Ok les amis, petit rendez-vous avec notre Ziwu national, le face-à-face, -face, vous connaissez le concept, j'en ai fait des dizaines, interview de Ziwu en anglais, retranscrit aujourd'hui par mes soins à laquelle je vais réagir, on va interpréter un petit peu des choses, et bien entendu c'est que du fun et que du plaisir, voilà je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube les amis, en commentaire je ferai des petits cadeaux, des petits codes de 5 euros pour vous faire kiffer, et vous achetez des petits skins c'est comme ça, c'est mon grand cœur qui parle parce que j'ai envie que vous ayez tout des skins parce qu'on adore les skins de Counter Strike. Alors vous euh, qui nous lâche une bête bête d'interview pleine de maturité qui dévoile un petit peu ses sentiments sur sa vie au quotidien de, 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 de joueur pro de Counter Strike. Donc on va parler de Zivou, mais lui il va nous parler également de Mathieu et que il y a un conflit entre les deux personnes parce que euh, il aurait bien aimé être dans l'ombre et qu'il est beaucoup trop sollicité. Voilà, c'est un cri, c'est un cri un petit peu euh, à l'aide que, que je que je perçois moi. Vous voulez changer vos skins Passez par Skin Monkey un site spécial. Spécialisé dans les échanges, traite ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Depuis que Vitality est arrivé sur CS, tu as été le centre du projet. Qu'est-ce que euh, ça fait de rester aussi longtemps dans une organisation Ça fait 6 ans. Zivou est chez Vitality, on va aller sur la septième année, rendez-vous compte. Alors, qu'est-ce qu'il répond Pour moi, c'est très important d'avoir cette famille derrière moi. Ce, et le, il, voilà, il prononce quand même le mot famille, c'est très important. Ce ne sont pas juste des gens qui travaillent pour moi, ce sont des amis. En fin de compte, je m'en fiche d'être la superstar ou non, ce sont juste mes amis, ils ne me, ils ne me voient pas comme Zivou, mais comme Mathieu Herbeau. Euh, c'est pour ça que je les aime. Au début, j'étais très timide, je me suis dit, au moins plus jeune, d'être plus ouvert. On m'a aussi aidé à faire plus d'interviews sur l'anglais etc c'est pour ça que je suis plus ouvert euh, et vitality a été très bon là-dessus voilà il nous dévoile que en fait chez vitality il est dans un cocooning, il se sent très bien. Et je sais que parmi vous, il y avait des gens euh, à des périodes où Vitality ne gagnait pas de titre et qu'on disait que c'était du gâchis pour Vitality, euh, pour, pour Je le disais aussi de manière hypothétique, dans le sens où est-ce que vous imaginez que euh, ZywOo pourrait prendre euh, un chemin différent Et euh, derrière, j'ai toujours dit que ça n'arriverait pas parce que, en fait, euh, 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 Ziwoo est quelqu'un de très humain et euh, pour le, qui l'environnement compte énormément. J'ai pu le voir, le côtoyer, rencontrer également des des membres de sa famille, de son entourage, son frère, sa maman, sa grand-mère, etc., euh, qui l'accompagnent en l'an. Et je sais que pour lui, voilà, il a, il a grandi dans, dans 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 une famille très soudée. Et euh, pour lui, l'épanouissement passe automatiquement par le bien-être et le confort qu'on a au quotidien. Et s'il ne se sentira pas bien, il va pas performer euh, parce que c'était c'est quelqu'un de quelqu d'instinctif. C'est quelqu'un vraiment de très très instinctif et qui veut jouer dans un environnement sain. Et euh, on le voit dès sa première question, dès sa première réponse que c'est un peu là-dessus où on va aller. Tu as joué avec de grands noms durant ton parcours. Lequel de tes coéquipiers t'a inspiré Je suis très étonné qu'il n'ait pas cité un mec euh, d'ailleurs. Euh, Apex évidemment. Je joue depuis tout ce temps avec lui donc j'ai beaucoup appris avec lui autant sur le côté humain que sur le serveur mais tout le monde a apporté des choses à la table. RPK n'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup mais j'ai appris avec lui à être humble, à avoir du fun. C'est facile de suivre la mentalité. Tu veux être comme lui sans ego et jouer juste ton jeu. Donc je suis euh, pas du tout surpris qu'il cite Apex parce que c'est un mastermind et qu'il a beaucoup de respect pour lui et que c'est un peu son mentor, sachez-le. Apex quand il a été kick de G2, il était sans équipe pendant quelques semaines, plusieurs mois même, et euh, il, il était que avec Zivou euh, tous les jours, à grinder la FPL, etc., le, à, à, à le coacher un petit peu, à le faire progresser et dans le projet de, dans l'optique de faire un nouveau projet avec lui par exemple. Ici RPK, ça, ça m'a étonné euh, sur le fait que RPK a eu un grand impact sur lui et on voit que euh, c'est le RPK qu'on connaît depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Quelqu'un de discret, de humble, qui se prend pas la tête, fun. Je le reconnais en fait dans Zivou et c'est le modèle qu'il a pris pour, euh, pour grandir en tant qu'homme. Moi, je, je, je valide à fond en fait. Il hein. faut, prendre, faut prendre ce qu'il y a de bon autour de nous. Je suis très étonné qu'il n'ait pas cité par exemple Shox. Et je parle d'une manière sportive, dans le sens où ce n'est pas forcément quelqu'un euh, qui, qui l'a marqué. Alors je pense que c'est quelqu'un qui l'a marqué, mais juste qu'il ne l'ait pas cité. Je me suis dit que peut-être qu'il n'a pas laissé une grande trace euh, chez Vitality quand ils ont cohabité euh, ces deux joueurs-là. Même si faut être honnête, quand il y avait Shox il y avait également des petits mecs qui n'avaient pas forcément le niveau et où c'était très irrégulier les résultats et je pense pas que c'était l'épanouissement le plus incroyable tu as vu la transition d'Apex en tant que leader peux-tu en parler euh, quand on a eu cette discussion sur qui allait être le nouveau capitaine ou qui on allait recruter pour moi c'était sûr à 100% qu'il devait être le nouveau leader parce qu'il a l'intelligence le leadership euh, j'ai eu un appel avec Xtaz qui n'a pas duré plus de cinq minutes car j'ai dit oui directement je sentais qu'il était prêt pour ça techniquement individuellement c'était de dire oui. Si tu compares le Apex à ce moment-là et le Apex d'aujourd'hui qui est considéré comme l'un des meilleurs leaders, qu'est-ce qui a été le plus grand bon pour lui Écoutez ce qu'il dit. Principalement la maîtrise de ses émotions. Parce que tu peux voir que c'est quelqu'un de très émotionnel. Euh, quand il arrive à se contrôler et à mettre de, de sa confiance en ses coéquipiers, on suit juste le call et on sait que ça va être un bon call à chaque fois. On essaye de l'aider mais quand il, fait un quand il fait un bon call, on sait qu'il sera bon. Voilà ce qu'il explique à propos d'Apex, qu'il a pris en maturité, qu'il a réussi à gérer tout simplement son aspect émotif. Je tiens à mettre en comparaison et en concurrence totalement Apex avec d'autres joueurs de la scène française qu'on respecte, qui sont, je tiens à le dire maintenant texto, dix fois plus talentueux qu'Apex et qui n'ont pas eu la longévité d'Apex. Je vais citer Shox, je vais citer Kenyes, je vais citer peut-être un peu NBK également où euh, l'ego, euh, la gestion voilà, de leurs émotions, etc., a pu prendre le pas cer certaines fois pour détériorer les relations, euh, le, 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 les projets dans des équipes, etc., et qui bah, derrière ont eu plus d'irrégularité qu'un Apex qui n'avait pas forcément le talent d'un Shox, d'un S, même s'il était très talentueux, Apex, hein, il a toujours été très, ta très talentueux, ça a toujours été un gros mastermind, un mec qui réfléchit, un gros bosseur, etc., mais ça a été un des meilleurs entry-fragger au monde, il faut lui rendre quand même ses lettres de noblesse, à Apex, il a depuis très 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 longtemps et son épopée euh, euh, LDLC euh, Titan Envious ça a été un des meilleurs joueurs euh, du top mondial pendant ces, pendant ces périples là donc euh, je pas envie de le minimiser dans le fait qu'il est il était sans talent par rapport aux autres mais il faut être honnête les autres c'était la crème de la crème. Un choc en termes de talent, c'est le joueur le plus complet de l'histoire de, de la scène française. Un Kenyes, c'est le meilleur sniper de tous les temps. Mais peut-être que ces deux joueurs-là ont été trop émotifs, euh, euh, trop des, des, des comportements euh, de princesse. Je sais pas, prenez-le comme vous voulez. Mais c'est sûr qu'il y a eu de ça qui a détérioré tout simplement leur carrière, j'ai envie de dire. Même si elle n'a rien à envier à celle d'Apex. Ces deux mecs-là sont champions de major. En plus, Kenny S a été MVP en plus d'un major, c'est le Graal. Enfin, il faut comprendre que c'est une dinguerie. Mais euh, voilà, on, on voit que Ziwu parle de l'aspect émotionnel et ce genre de choses. Il a quand même du recul, il est instinctif, c'est quelqu'un aussi d'intelligent. Je vois dans ses prises de position et, et, et euh, sa communication euh, le fait qu'il sache analyser. Hein, il, on, lui a donné, on lui a demandé son avis, par exemple, sur le, le choix du capitaine, le leadership. Et il a un très bon recul sur Apex. C'est quelqu'un de, de, qui, qui aime jouer avec ses potes, mais qui a également les compétences pour dire toi, t'es bon, toi, t'es pas bon, je veux jouer avec toi, je veux pas jouer avec toi. Donc, c'est aussi ça le fait qu'il crédibilise derrière Apex que ce soit son égal euh, en termes de, de, de coéquipier qu'il a totalement sa place à jouer à ses côtés et de pas dire que Apex dépend de ZywOo euh, et ce genre de choses Est-ce que euh, le début de ta carrière te manque quand on ne t'accordait pas autant d'attention que maintenant C'est un peu triste ce qu'il dit <coughs> mais je pense que c'est réel et euh, je me reconnais aussi là-dedans mais je suis pas une superstar mais vous allez voir que quand même on, on aime bien la discrétion. Euh, oui ça me manque des fois, j'aimerais parfois que les gens ne me connaissent pas et me regardent juste jouer à CS je pense que j'appréciais plus jouer dans dans ces conditions-là, j'aime bien être dans l'ombre. Je suis comme ça, je n'aime pas quand tout le monde parle de moi. Et euh, ça m'a touché parce que je sais que c'est quelqu'un de très timide, qui n'aime pas les caméras, qui ne veut pas trop qu'on le sollicite, etc. Euh, il, il est mal à l'aise euh, euh, et ce genre de choses. Alors que quand on est dans une sphère un peu plus privée, il se lâche, il rigole, etc. J'ai vécu aussi ces moments-là avec lui que j'ai jamais mis en caméra parce que euh, bah, faut respecter l'intimité des uns et des autres et que moi-même je suis un petit peu comme ça. Euh, J'aimerais aussi parfois qu'on on, on ne m'apprécie que pour mon travail. Et euh, pour les accomplissements que j'ai eu dans le jeu en tant que joueur, et autre chose, et, et point à la ligne, et pas forcément l'humain, même si des fois, eh ben, tu rencontres l'humain et c'est des choses que tu apprécies. Et, et tu vas dire putain, je me reconnais dans ce mec-là, j'ai envie d'être ton pote parce que je connais ton humanité et pas forcément ton statut. Parce que ça peut vite dériver des gens qui vont te côtoyer parce que t'es Zivou, parce que t'es euh, qui vous voulez, enfin Kylian Mbappé ou quoi que ce soit. Et pas forcément pour euh, l'humain que t'es. Et lui, vu que c'est un bon humain, il veut juste rester, rester discret. Et je trouve que c'est une très bonne chose également. Euh, Est-ce que tu regardes des démos des POV Non, je ne regarde. Euh, je regarde les games où je joue. J'arrive à voir des choses directement. Mais je ne re-regarde pas. Je vois des choses dès la première fois. Donc pas besoin de revoir une deuxième fois. Mais je ne regarde pas souvent des démos. Souvent, ça montre son intuitivité. Ça montre son instinctivité. Ça montre que c'est un joueur qui, est, qui a du talent. Ça montre que c'est un joueur qui, qui a de la vision un petit peu au-dessus des autres euh, sur le positionnel, je trouve, sur la lecture, sur l'anticipation. C'est quelque chose qui est inné un petit peu chez lui et il euh, y a pas mal de joueurs qui sont comme ça. Euh, ou euh, qui vont commettre l'erreur. Ça y est, ils ont fait le film derrière. Ils n'ont pas forcément besoin de revisionner les démos et ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce qui a été le facteur principal pour toi de l'émergence de tous ces jeunes comme donc Monesi, Wonderful. Je pense qu'ils ont grind beaucoup. C'est très important. Bien sûr que ça ne fait pas tout, mais peut-être 50 ou 55 du boulot. Si tu grind, tu peux t'habituer à plein de situations, trouver des nouvelles grenades. Euh, je vois beaucoup euh, Wonderful et donc sourire quand il joue. Je pense qu'il kiffe le jeu et ça ça les rend meilleurs. J'ai aussi ressenti cela pendant ces cinq dernières années. Donc il parle pour lui-même. Euh, quand il se passait quelque chose de mal, je jouais moins bien. Quand je sentais que mon équipe autour de moi était en train de, de sourire, je sentais que je jouais beaucoup mieux. Voilà, c'est le Ziwu, hein. ça fait très plaisir de, de lire ça. C'est prendre du plaisir avant tout, c'est un jeu vidéo, kiffer avec ses coéquipiers, avoir du, des automatismes avec l'un, l'autre, vas-y mon ref, je te flash, on y va, on lui casse la gueule, mais on prend du kiff ensemble et c'est là qu'on performe le mieux et je le rejoins totalement là-dedans. Est-ce que tu arrives toujours à avoir du fun Bah parfois c'est compliqué car les tournois s'enchaînent tellement vite, on passe du Danemark à la Chine très vite, on n'a même pas le temps de visiter les villes. Donc on voit qu'il y a cette redondance sur la professionnalisation de CS, de la scène, qui est vraiment 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 à un rythme effréné et donc pour le coup je le rejoins là dedans parce que moi même j'ai euh, j'ai suivi là beaucoup d'événements vous avez des vlogs partout là sur la chaîne je sais pas j'ai été où en Pologne au Danemark à Dallas et tout je vous cache pas que c'est fatigant alors que tu joues pas moi je jouais pas et tout c'est un temps après quand j'y suis je dois filmer je dois écrire un petit peu des trucs et tout c'est quand même un peu de boulot mais c'est quand même un peu fatigant t'aimes bien retourner à la maison et profiter des tiens donc je, je le rejoins là dedans crois Croyez-moi que oui, c'est la vie d'artiste un petit peu d'être sur Counter-Strike, d'être professionnel, de voyager et tout. Je l'ai vécu en tant que joueur. Des fois, le calme, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux que le calme et la simplicité d'être avec les tiens, je, je peux vous l'assurer. As-tu trouvé une astuce pour ressentir du plaisir sur CS Chez Vitality, on essaye de faire des activités en équipe, donc... Euh... C'est pas mal. Sortir, aller au restaurant, faire du sport ensemble pour avoir de l'énergie en dehors du jeu. Si tu ne t'amuses pas, c'est difficile d'avoir du succès et grind. Pourquoi est-ce que CS est un jeu aussi fun Avant tout, c'est la victoire qui est fun. Personne n'aime perdre. C'est très difficile. C'est important de gagner parce qu'à chaque défaite, je me dis que je ne veux plus ressentir cela. Par exemple, après avoir perdu contre Liquid à Katowice, c'était un moment très triste pour nous, on gagnait 12-0 mais on a tellement appris euh, après ça, sur notre mentalité, sur la façon de jouer quand on a l'avantage et après euh, ça on a gagné le Major à Paris. C'est aussi grâce à cette défaite. La connexion et l'alchimie entre les joueurs fait ressentir beaucoup de plaisir également, les flash picks, les double picks, ouais, c'est ce que je vous disais juste avant. Quand mes coéquipiers prennent des initiatives, quand tu ressens que ce côté ping-pong avec les 5 joueurs actifs sur le serveur, ce sentiment est génial quand tu es dans cette bulle avec ton équipe, tu peux gagner contre n'importe qui. Je peux vous jurer que ce qui dit est totalement vrai le meilleur feeling quand tu joues un jeu euh, en collectif je pense que ça doit être pareil sur League of Legends sur Valorant si vous jouez avec des potes sur, euh, sur, sur Rocket League euh, des trucs en coop et ou quoi que ce soit mais sur CS en tout cas c'est une dinguerie quand tu kiffes avec les potes et tout et euh, vas-y je te flash allez on rechange ensemble on cross la smoke beau gosse attends attends, attends meurs pas moi j'arrive dans le dos ah ça passe ah machin et tout tu tapes des barres, même tu arrives dans le dos tu fails tu te fais cut tu, toi tu vas te moquer de ton pote parce qu'il croyait qu'il faisait un truc malin, je vous jure qu'il n'y a pas mieux que l'échange et de, de, de kiffer juste ensemble en fait le kiff c'est, j'arrive pas à trouver du kiff seul, je vous fais une confidence de ma vie personnelle, j'arrive pas à prendre du plaisir seul, peut-être que j'ai un problème, peut-être que je suis complexé, peut-être que je, je dois passer systématiquement par le, le bonheur chez quelqu'un pour avoir du, du bonheur chez moi mais faire quelque chose seul, j'y arrive pas je n'arrive pas à apprécier ces choses là à part peut-être aller faire mon sport et tout, aller courir j'aime bien être seul, je suis là je, je me relâche un peu ça c'est vraiment un truc que j'arrive que je veux même faire vraiment tout seul mais euh, ciné euh, resto aller manger un petit truc et tout même faire une galère même être en galère mais si t'es en galère avec un pote je vous jure que je sais pas ça, ça me fait des souvenirs et tout ah poteau tu te rappelles qu'on était là on faisait ci on faisait ça c'est dur d'être seul c'est dur d'être seul vraiment force aux personnes qui sont euh euh, toutes seules qui ont personne autour d'elle. Je vous jure que vous pouvez trouver vraiment de l'amour autour de vous euh, dans un, dans, de, juste dans, dans quelque chose que vous appréciez. Et Vous allez avoir des points en commun avec quelqu'un. Et les solitaires, bah, je vous respecte parce que c'est un sentiment que j'arrive pas forcément euh, à avoir. Est-ce que tu as des rivaux, des gens contre qui tu détestes perdre par, de, par dessus tout Et attention, il ne répondra pas simple. Euh, je dirais l'ancienne équipe d'héroïques, On n'aimait pas perdre contre eux. Eux non plus n'aimaient pas perdre contre nous. Ce qui a été, euh, c'est ce qui a créé cette rivalité. On n'aimait pas jouer l'inconfort contre l'autre parce qu'il y avait toujours une équipe heureuse et une une équipe triste. Ça fait déjà six ans que tu es chez Vitality. Comment vois-tu ton avenir Je vis au jour le jour. Je veux jouer autant que je peux. Je ne pense pas au futur. Et je vais être si je vais être coach ou manager à la fin de ma carrière. Je n'aime pas dire ça car je ne sais pas si le jeu sera toujours là. On ne sait jamais. Donc pour moi, c'est au jour le jour. Et clairement, ça résume totalement sa mentalité. Il kiffe. Il est dans, dans, dans l'intuitivité. Il ne sait pas où il va. Mais il va s'en sortir, sortir parce qu'il est instinctif et qu'il a le cœur pur. Moi, cette interview de, 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 de Zivou. Elle me régale de, de, du tout au tout parce qu'on en apprend, enfin, vous en apprenez plus sur sa personnalité, etc. C'était des choses que je connaissais un petit peu de lui. Et surtout, c'est une leçon de vie, en fait, je trouve, cette interview. Pleine de maturité. On sent pas forcément, un, on sent un dit qui a pris beaucoup plus beaucoup plus de place en tant qu'homme et pas en tant que voilà jeune vous garçon counter strike etc j'ai vu un Mathieu parler dans cette interview moi personnellement donc on t'embrasse tu t'es une belle personne je t'ai rencontré je t'ai côtoyé on s'est battu aussi en lan euh, en tant qu'adversaire et euh, je suis très content de que tu sois français, que tu nous représentes comme ça parce que tu es une belle personne et je pense que beaucoup de gens peuvent se prendre exemple sur toi parce que tu es un modèle pour des gens et, euh, et, je, et, et je pense que tu mérites tout le succès que tu as et euh, je te souhaite une longue vie et de vivre très heureux avec les tiens, voilà c'est mon mot euh, euh, à vous